Salut! Alors, il m'est arrivé quelque chose il y a très peu de temps, il y a quelques jours, un événement, je suis dans une démarche administrative pour réduire des mensualités et j'avais l'opportunité d'avoir une aide pour ces démarches, une aide financière, parce que j'ai besoin d'être accompagné par une personne dans cette démarche. Et après coup, après avoir fait la demande de cette aide, cette personne qui m'aide, qui m'accompagne, m'a précisé que je n'avais finalement pas le droit à cette aide. Donc, elle m'a proposé le choix de régler quand même ses honoraires ou tant pis, je ne change pas ma situation et je continue à avoir ces mensualités qui sont trop élevées pour moi, par exemple. Et donc je me retrouve en fait avec un choix qui est soit je paye ses honoraires, soit je continue à payer ses mensualités. Donc autant dire que c'était pas mon choix de départ. Et ça, en fait, cette technique-là, ça m'a fait penser à ce qu'on appelle, en tout cas dans le commerce ou dans l'éducation, au choix illusoire. Et oui, je sais pas si tu en as déjà entendu parler de cette technique du choix illusoire, on en entend beaucoup parler pour l'éducation des enfants, en fait. Donc, par exemple, si tu veux que ton gamin s'habille le matin pour aller à l'école et que lui, il ne le souhaite pas, à ce moment-là, tu lui proposes: est-ce que tu veux le pantalon bleu ou est-ce que tu veux le pantalon rouge? Donc, il va sûrement choisir l'un de ses pantalons, le bleu ou le rouge, suivant son avis, ce qui lui fait plaisir, et dans tous les cas, en fait, il va s'habiller, alors que initialement, il ne voulait pas s'habiller. Voilà. Donc, on appelle ça la technique illusoire, puisque ça permet à la personne qui utilise cette technique de pouvoir pousser, influencer l'autre personne à faire un choix qui au départ ne voulait pas faire. Et puis je trouve ça super intéressant de connaître cette technique et de savoir quand on en est, on va dire, victime. C'est pas une victime, c'est souvent des choses qui sont relativement bienveillantes et des fois des impossibilités. Comme dans mon cas, c'est une impossibilité d'avancer dans le choix que je voulais. Donc on m'a donné un autre choix. Mais je pense notamment, par exemple, au système politique qui nous entoure. On a très régulièrement des votes à faire, donc on a des choix à faire. Et je sais pas si ça t'arrive, moi ça m'arrive souvent d'entendre des discussions par rapport à la politique et je me rends compte, des personnes ont des idées, ont des souhaits par rapport à l'évolution de la politique du pays. Et au final, quand on arrive dans l'isoloir pour voter, on se retrouve finalement à voter parmi des choix qui ne sont pas les nôtres. Et c'est typiquement une application du choix illusoire, en fait. On te donne cette satisfaction de choisir, cette autonomie que tu as, cette liberté. On te fait croire que tu as la liberté de choisir, mais tu n'as pas eu la liberté de choisir tes choix à toi. Et ça, je trouve que c'est très important au quotidien de se rendre compte quand on a des choix illusoires. On pourrait avoir envie d'une télé et puis on va aller voir le rayon télé. Et le vendeur vient vers nous en nous disant voilà, vous prenez laquelle, celle-ci ou celle-ci. Et en fait, ça peut-être que ces deux choix ne correspondent pas à ce qu'on voulait en fait initialement. Donc c'est de reconnaître à ce moment-là que nous sommes dans cette technique du choix illusoire, et puis de revenir à nous-mêmes en recherchant, en se remémorant ce pour quoi on était venu, notre objectif principal, le choix qui nous aurait intéressé le plus. Alors évidemment, si ce choix il est pas faisable, évidemment, on va s'orienter sur autre chose. Mais c'est aussi de ne pas oublier qui nous sommes et qu'est-ce que nous souhaitons pour nous dans ces choix-là. Dans ces moments-là. Et donc de voir que si dans ce choix illusoire, on va dire ce choix qu'on nous demande de faire, est-ce que les deux correspondent véritablement à ce que nous souhaitons? Parce que souvent, on nous influence à dire, prends une télé en fait, tu choisis celle-ci ou celle-ci. Alors qu'en fait, tu dis non, en fait, il n'y a pas de télé qui correspond à mon besoin en fait. Donc non, j'attends, je peux attendre. Écoute, je sais pas si toi, tu as eu des cas comme ça où tu t'es vraiment senti dans ce choix illusoire, donc ça t'a forcé à faire un choix et finalement ça ne correspondait pas à ce que tu voulais avant qu'on te propose ce choix. N'hésite pas à le mettre en commentaire ou à m'envoyer un petit message pour en parler. Ça me ferait plaisir. Bah, sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'aura au moins ouvert l'esprit sur les choix que nous faisons au quotidien. Et puis j'espère à bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao!